Bonjour à tous les fans de notre champion France Ngannou. Bonjour à tout l'univers MMA, à tout l'univers UFC. Je vous dis bonjour et bienvenue encore à cet article qui va parler de la réaction de France Ngannou et sa dernière signature et sa dernière décision. Est-ce qu'il va rester dans UFC, continuer à combattre dans UFC tout en étant dépendant, tout en n'étant pas libre comme il le souhaite, ou bien est-ce qu'il a décidé de quitter UFC et quelle était la réaction de Dana White, la réaction de UFC? Est-ce que UFC lui a libéré ou bien UFC a refusé de lui libérer? Alors, Dana White aurait proposé un contrat à notre champion France Ngannou qui aurait fait de lui les poids lourds les mieux payés de l'histoire de l'organisation. Le Camerounais champion du monde MMA a refusé et a décidé de quitter l'organisation. La ceinture est remise en jeu le 4 mars prochain entre le Français Cyril Gane et l'Américain Jones alias Bones. Voici un peu un aperçu de quoi notre compatriote, notre champion Francis Ngannou se plaignait. Il n'est pas libre de choisir les dates de ses combats et il n'est pas libre d'aller combattre en boxe anglaise s'il le souhaite par exemple. Francis Ngannou déclare ceci: je veux juste être libre. Nous sommes censés être des entrepreneurs indépendants. Un entrepreneur indépendant est techniquement une personne libre. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin de quelques ajustements dans ce contrat. On risque tout. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas d'assurance. Rien. Aucune garantie. Ce que je comprends en tant qu'entrepreneur indépendant. Mais traitez-moi comme tel, si je le suis. Si je veux être un employé ou un entrepreneur indépendant, que ce soit très clair dans les contrats. C'est probablement la chose que je déteste le plus dans tout ça. La façon dont ils ont toutes les cartes en main. Le pouvoir de vous détruire. Dès que vous ne dites pas oui, ils vous font tout simplement tomber. Globalement, j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table. Même depuis le fight contre Stipe. Aujourd'hui, il me manque peut-être 7 millions de dollars que j'ai laissé sur la table. Mais je suis toujours erré avec mes 600 000 dollars. Parce que je lutte toujours pour ce qui m'importe. C'est ça les trucs. La liberté ne fonctionne pas avec l'argent. Vous abandonnez un pour un. Que vous vouliez la liberté, que vous vouliez l'argent, vous renoncez à un pour en gagner un. Voilà ce qu'a déclaré notre champion en boxe. Voilà ce qu'a déclaré notre champion MMA, Francis Ngannou. Alors, il y a Dana White qui sera en conférence de presse. Nous attendons sa réaction. Alors, tout ce que je vous demande maintenant, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié quand je vais partager avec vous la réaction, les commentaires, la décision de Dana White. N'oublie pas de vous abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié dès que la réaction de Dana White, la décision de Dana White va tomber parce qu'il sera en conférence de presse. Si pas aujourd'hui, ça sera demain. Merci beaucoup et à nous revoir dans une prochaine émission.